Aujourd'hui, on va parler de l'escarpolette de Fragonard. Fragonard, de son petit nom Jean Honoré, est né à Grasse en 1732 et mort à Paris en 1806. Fragonard est issu d'une famille de fabricants de gants qui étaient à l'origine parfumés, Grasse étant la ville du parfum. Il est l'élève de Chardin, peintre de scènes de genre et de nature morte, mais aussi l'élève de Boucher, qui sera l'un des plus grands peintres du XVIIIe siècle. Enfin, il deviendra aussi l'élève de Van Loo, et grâce à lui, il obtiendra le prix de Rome en 1852, donc à 20 ans, avec le tableau Jéroboam sacrifiant aux idoles. Mais avant de continuer sur Fragonard, voici un petit point sur le prix de Rome. Le prix de Rome est un prix décerné tous les ans par l'Académie de peinture et de sculpture qui a été fondée en 1648. Il permettait entre autres à l'artiste de se faire connaître, mais aussi et surtout de partir étudier à Rome pendant 4 ans. Ce prix n'était pas destiné qu'aux peintres, mais aussi aux architectes, aux sculpteurs, aux compositeurs et aux graveurs. Ce prix permettait aux artistes d'avoir une carrière toute tracée et plutôt conventionnelle, et pour un peintre, ça voulait dire être un peintre d'histoire, donc peindre des scènes tirées de l'histoire ancienne ou bien tirées de contes et légendes. Fragonard était bien parti pour devenir ce genre de peintre d'histoire, en témoignent le sujet et le style de son prix de Rome, c'est-à-dire un sujet clair et lisible, des personnages bien campés dans la composition et des expressions nettes et marquées. Fragonard va s'éloigner de cette carrière toute tracée de peintre d'histoire pour s'orienter vers la peinture de genre plus scabreuse qui était un peu plus admise au XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que même lorsque Fragonard recevra des commandes royales de la part de Louis XV, il décidera de ne pas les honorer et acceptera de ne pas recevoir le titre de peintre d'histoire à l'Académie, ce qui était pourtant l'un des titres les plus prestigieux à l'époque. Il ne va alors honorer que des commandes privées et c'est dans ce contexte que notre escarpolette est née. Les heureux hasards de l'escarpolette est un tableau peint en 1767 et conservé à la Wallace Collection à Londres. Et sinon, c'est quoi une escarpolette ? Bon oui Romain, on va clarifier. Une escarpolette, c'est une sorte de balançoire traditionnelle avec deux cordes et une sorte de plateau en bois. Analyse ? Ouais, ok, analyse. Donc on voit ici, au cœur d'une forêt luxuriante de végétation, une femme qui est vêtue d'une robe à la française avec de nombreux jupons qui se balancent sur une grande escarpolette. Un homme est derrière elle et actionne plusieurs cordes. Un autre homme se trouve devant la jeune femme et est si absorbé par la vision de ses jambes et de ses dessous féminins qu'il en est tombé à la renverse et se retrouve au milieu d'un buisson de roses. Dans son élan, on voit que la jeune femme vient de perdre sa chaussure qui se retrouve projetée en l'air. Ce sujet, il est né dans l'esprit du commanditaire, le baron Saint-Julien. Il était receveur du clergé de France. À l'origine, il n'avait pas demandé à Fragonard de réaliser la peinture, mais au peintre doyen. Il lui a demandé, et là je cite les mots du baron, « Je désirerais que vous peignissiez madame sur une escarpolette qu'un évêque mettrait en branle. Vous me placerez de façon moi, que je sois à portée de voir les jambes de cette belle enfant, et mieux même, si vous voulez égayer votre tableau. » Le sujet ici est donc clair, le commanditaire veut être représenté en train de se rincer l'œil. Le peintre doyen aurait finalement décliné la commande qui atterrit alors dans les mains de Fragonard. Et Fragonard aurait peut-être ajouté lui-même l'anecdote du saut des pantoufles. Et il faut savoir que si pour nous ce saut des pantoufles est juste un détail anecdotique et amusant, cela avait bien plus de sens au XVIIIe siècle car à l'époque la cheville est une des parties du corps les plus érotiques. Et la montrer, c'est donc être très audacieux. De nombreux peintres utilisèrent d'ailleurs le dévoilement de la cheville dans leurs tableaux pour nous faire comprendre qu'une intrigue amoureuse était en cours. On remarque aussi dans cette peinture la présence de plusieurs sculptures, dont une notamment d'un petit amour qui met son doigt devant la bouche en signe de silence, et une autre qui montre deux poutis, ces deux amours, qui chevauchent un dauphin. La première, elle est située juste au-dessus du voyeur. Si on ajoute à cela l'échange du regard entre le voyeur et la jeune femme, ainsi que le saut des pantoufles, on pourrait imaginer que la jeune femme et l'homme dans le buisson de rose sont amants, et que peut-être l'homme derrière elle est le mari trompé. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi le petit amour ordonne de se taire. Mais au-delà du sujet voyeuriste du tableau, on remarque de la part de Fragonard une vraie maîtrise de composition. L'équilibre des couleurs pastel est tout à fait remarquable et le sujet est baigné dans une atmosphère au ton vert bleu, rendu par les grandes frondaisons, c'est-à-dire le feuillage, mais aussi le ton doux du ciel. Donc on va avoir un contraste qui se crée avec le rose éclatant de la robe et des tons pastels. Et on va voir que cette jeune femme attire en effet le regard tout de suite par sa toilette. C'est un véritable point focal de notre œil qui va nous guider ensuite vers de grandes diagonales qui nous permettent d'apprécier et de comprendre le sujet de ce tableau. L'ambiance est donc très douce, mais aussi un peu étouffante à cause de ces frondaisons qui ferment toute perspective. Les nuances de vert utilisées pour les frondaisons
font un peu penser à l'ambiance close d'un aquarium, qui est rappelée aussi par la sculpture marine de dauphins. Et on sent aussi que Fragonard part rapidement. Cette touche vive permet de faire ressentir le mouvement des jupons qui se soulèvent au vent et le mouvement de l'escarpolette. On connaît une deuxième version de ce sujet conservée en collection particulière à Paris qui s'appelle la petite escarpolette. Mais ici, le croustillant du tableau est enlevé. Plus de voyeurs ni de souliers en l'air. Pour conclure sur cette analyse, le 18e siècle, c'est un siècle où la présence rigide et directive de Louis XIV a disparu. Les sujets se détendent et on peut voir apparaître des thèmes un peu plus libertins et humoristiques. Mais néanmoins, comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas oublier que ces toiles étaient destinées à des commanditaires privés, la peinture officielle ne pouvant absolument pas traiter ce genre de thème. Pour ce qui est des sujets, Fragonard va peindre quelques portraits, notamment dans sa série des portraits de fantaisie qui présente des hommes et des femmes en habit Renaissance. Mais surtout, Fragonard est connu pour ses très célèbres scènes de genre, notamment ses scènes de galanterie où un homme est en train de courtiser une femme, mais aussi des scènes plus licencieuses, voire scabreuses, comme avec le très célèbre Verrou ou encore La Guimblette. Dans La Guimblette, il y a quand même la queue du chien qui est en train de caresser les parties intimes de la demoiselle. Il est doué ce Fragonard. Pour ce qui est du style, Fragonard est caractérisé par une grande rapidité de touche et on peut notamment la voir dans les portraits de fantaisie qui sont tous réalisés en une heure de temps et dont le relief et l'empattement de la peinture sont très importants. Sa rapidité de touche et ses coups de pinceau sont notamment aussi visibles dans le tout petit tableau conservé au musée du Louvre qui s'intitule « Les deux curieuses ». Pour ce qui est des scènes extérieures, Fragonard va encadrer ses compositions par de grandes frondaisons verdoyantes qui vont donner un aspect étouffant à ses tableaux. Cet aspect étouffant va être retrouvé dans les scènes intérieures, mais ici avec le travail des drapés qui vont être très importants et vont envelopper tous les personnages. Pour ce qui est du travail de la lumière, Fragonard aura toujours une lumière mordorée qui va donner un aspect irréel à ses compositions et conférer à une atmosphère plutôt fantasmée, comme on pourra le voir avec les quatre âges de l'amour. Et ainsi, notre escarpolette a appartenu à divers propriétaires français jusqu'à ce qu'en 1865, elle soit mise aux enchères à Paris et achetée par Lord Hertford, un des principaux fondateurs de la Wallace Collection. Elle est ainsi visible depuis 1900 dans ce musée. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse qui, je pense, vous l'aurez compris, portera sur le 19e siècle. N'oubliez pas de partager l'épisode, c'est le plus important. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne. Allez, salut !